Jeté dans la peau. Bonsoir. Bonsoir, c'était Néné Cherry, la bien belle Néné Cherry, qui vous disait « I've got you under my skin ». Alors quand une femme aussi belle vous dit qu'elle vous a dans la peau, je ne vois qu'une réponse, c'est « Néné, when you want et where you want. And if you want, I can come with all my copains. » Ok ? Peu de chance d'avoir une réponse, mais si nous avons une réponse, je ne manquerai pas de vous la communiquer. Ce soir dans Jazz 6, un volcan en éruption, c'est le saxophoniste James Carter que nous avons filmé cet été à Jazz à Vienne. Nous l'avions déjà filmé l'année précédente et vous allez voir en un an tout le chemin qu'a parcouru ce jeune musicien qui est incontestablement un porteur d'espoir actuellement dans le monde du jazz. Avant d'en arriver à ce concert, j'en ai un autre à vous annoncer. Et puis quelques compacts de jazz français qui m'ont paru intéressants. Alors, le concert, ou plutôt les concerts, ce sont ceux que va donner le groupe Magma. Magma, groupe culte de jazz rock que Christian Vander reconstitue, le temps de donner deux concerts les 11 et les 12 décembre à l'Auditorium des Halles à Paris. Je pense qu'il y aura du monde. Quant au compact que je vous propose, il y en a donc cinq. Le premier, c'est Collectif Mu. Voici, avec une fort belle pochette. C'est paru sur le label Seventh Record, distribution Harmonia Mundi. Alors, c'est un groupe qui s'est constitué à Mâcon, où une activité de jazz importante est en train de se développer, à l'initiative principalement de ce Collectif Mu, qui a ouvert un club. C'est le club que vous avez peut-être eu le temps de voir sur la pochette du disque. C'est un groupe qui a gagné le premier prix à Jazz à Vienne en 1995, qui a gagné le premier prix au concours de jazz de la Défense en 1996. Ce sont de jeunes musiciens qui ont la pêche, qui ont des idées, qui en veulent. Et c'est sans doute un groupe dont on sera amené à reparler souvent. Je vous rappelle donc Collectif Mu, distribution Harmonia Mundi. Le deuxième disque, c'est celui de Serge Casero. C'est un saxophoniste ténor. Il est paru sur Moon Records, distribution Night and Day. C'est le disque que vous entendez actuellement en fond sonore. Casero joue du ténor. Il est corrézien, donc il doit aimer la tête de veau. Il aime en tout cas Dexter Gordon et ce disque est un petit peu un hommage à Dexter Gordon et il a pour le soutenir auprès de lui George Arvanitas au piano et Charles Bellonzi à la batterie. C'est paru donc sur Moon Records, distribution Night and Day. Troisième album, Philippe Milanta, sur le label Jazz au Rempart, distribution Night and Day. C'est un bien joli trio qui swing fort élégamment en faisant un clin d'œil à des maîtres du clavier comme Errol Garner, comme Count Basie, comme les Three Sounds. Mais en même temps, c'est un trio qui a son existence propre. Philippe Milanta s'est paru, donc, je vous l'ai dit, je vous le rappelle, sur le label Jazz au Rempart, distribution Night and Day. Claude Tissandier et ses saxomaniacs à la rencontre de Clark Terry. C'est sur le label IDA, distribution Harmonia Mundi. Cinq saxos, une trompette, personne ne perd et tout le monde gagne. Enfin, Selam, Rennes, Marthe et compagnie, sur le label Piwi, distribution Mediaset. Il s'agit là d'une bien belle rencontre sous les palmiers de l'île Maurice entre des jazzmen français et des musiciens de tradition africaine. Et il se passe vraiment quelque chose d'intéressant dans cette session. Voilà, maintenant donc c'est la tornade James Carter. Vous allez voir, c'est à mon avis quelque chose de très impressionnant. À peine entré en scène, sur la scène du théâtre Jazz à Vienne, avec une bien belle lumière, Carter qu'on sent très regroupé, très, très concentré. Carter va livrer ce qu'il a sur le cœur. Et c'est 48 minutes d'un jazz impressionnant. À tout de suite.
Vanessa Demouy, son premier CD de titre. Sur ce premier CD de titre, retrouvez Rêve de fille et Jam is Black. Et découvrez tous les titres de Vanessa Demouy sur son premier album.